J'espère que vous allez bien les amis, bienvenue, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui je sais, je me suis mêlé les pinceaux, mais c'est pas grave. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro, alors si on remonte bien, le numéro 5 déjà. Et oui, déjà le numéro 5, et oui, on avance comme des tarés. Alors aujourd'hui on se retrouve avec deux personnes, on se retrouve aujourd'hui avec Ludovic. Yo. Comment ça va? Ça va et toi? Non, j'avais mon micro qui avait bugué. Et on se retrouve aussi avec The Tanguy. Salut, salut. Comment tu vas? Ah, bah, très bien et toi, Titi? Ça va mal parce que t'es là. Bon, bref. Ah, je suis fier que tu ailles mal. Ah ben merci. 19 sur 20, merci. 0, moi je dis 0. Hein. Attends. Ouais, toi c'est moins 30, on met comme ça. Non, alors faut rentrer les pick-up les gars. Alors aujourd'hui... Alors on va faire... Alors regardez les amis ce qu'il faut faire. Winter mode, on a le winter mode. Alors regardez ce qu'on a. Putain mais qui c'est qui me passe dessous là? Alors regardez les amis, ce silo il est plein, c'est pour la paille là. Il est déjà plein. L'herbe il faut le remplir. Donc il va falloir le remplir. Et après on a de l'orge à faire. Donc les gars aujourd'hui ce que Tanguy tu vas les moissonner. Oui, elles adorent moissonner n'est-ce pas Ludo? Par contre, non. Il y a un problème avec ton mode neige. Parce que la neige elle tient pas au sol. C'est pas un mode, c'est... Non mais c'est pas mode, c'est la vraie neige du jeu abruti. Ah ouais? Bah oui c'est le mode météo. Alors je vais garer t'as inclus machin truc là, mon petit pick-up ici, j'ai bien. Ouais ben si il est mal rangé, ça te retiendra sur ton salaire. Bah je l'emmène devant la maison. Et Ludo et moi on va aller tout simplement faucher et indenner et pirouetter tout ce que vous voulez. Voilà. Pané. Par contre Titi, est-ce que t'as cheaté sur ta partie? Juste pour savoir. Parce que moi, bah oui. Moi cheaté? Non. Parce que ta part de coupe et ta moissonneuse elle est pourrie donc En fait j'utilise les véhicules du jeu, donc si t'es pas content t'as qu'à te faire voir. Mais t'as des véhicules du jeu? T'as pas remarqué? Non mais... Oh mais quelle forêt, mais je vous jure, je... Il y a des jours où j'aurais envie de... Voilà le... J'aurais... Il y a des jours où j'ai envie de le taper, mais d'une force. Non. C'est interdit par la loi. Je m'en bats les steaks. Non mais... Pourquoi t'as fait pas une... Non Ludo, ce que tu vas faire, toi tu vas aller faire le... Tu vas aller faire le... Tu vas aller faucher. Alors les gars, je vais vous dire les champs que vous allez faire. Hein. Alors... Je vais où moi? Par contre il faut quelqu'un pour ramasser mon crottin. Ah mais tu te démerdes hein. Ah mais tu te démerdes hein. Alors alors Ludo tu vas aller au champ 13 pour faucher. Et juste en dessous il y aura et après Tanguy ira en 11. Champ 13 j'y étais ce matin. Non ce matin c'était le 12. Une demi-heure pour la chance. Non mais il a de nouveau poussé l'herbe 13 Ludo hein. Ah oui c'est vrai. Donc le 11 c'est Tanguy et le 13 c'est Ludo, voilà. Merci ah ben, Tanguy. Côte à côte derrière. C'était remis droit par contre, hein, comme tu l'as pu remarquer. Pardon, mais là par contre la menace du foutage de câble. Il n'y avait plus de tracteur. Voilà comment ça se passe quand on veut jouer avec Titi en tracteur parmi nous. Non mais t'es sérieux? On met les... Mais putain, mais attends, j'essaie d'être laid et lui il m'emmerde. Mais c'est quoi ce bordel là? Conduire. Bon, et vas-y avance. Non, vas-y en premier. Je peux y aller moi. Non mais t'es sûr? Oh! Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il veut l'autre con là, Ludovic? Ok, j'active un moissonneur. C'est quoi ça? C'est cultivateur ça? Bon, c'est notre cultivateur. Donc moi les amis aujourd'hui je vais aller cultiver les. Je vais aller cultiver le chant. Bon, je vais pouvoir passer. On passe en... de la place, on te l'a jamais dit. Ouais, priorité au tracteur quand même. Hein. Bah, moi, c'est un convoi agricole, alors tu vas te chercher un pick-up. Les warnings, hein, parce que c'est dangereux sur la route. Ouais, on met pas une barre de coupe devant. On met pas une barre de coupe devant. Qu'est-ce qu'il fout, l'autre con hein? Laissez passer. Mais what? On s'en part, là. Non mais attends, mais moi, je travaille, moi. Je bosse dur, hein, comparé à toi. Toi tu bosses pas, tu fous que le bordel. Ouais ce matin j'ai encore bossé plus dur que Titi. Ah oui ce matin Ludo il a bien bossé franchement. On a remarqué le petit bug de la barre de coupe. Tu l'as foutu où la foutueuse? Alors au passage pour ceux qui savent pas. Elle est en haut là-haut, attends, j'arrive. Titi j'ai une réponse
réponse à ta... D'accord, c'est qui est parti. C'est la réponse à ta question de hier. Mais vu qu'il est parti... Oui, réponds pas à ton commentaire. Non. C'était l'hommage qu'il y a avec le tracteur orange de T-Suisse. T'es là. De la création. Donc, c'est parce qu'il est décédé, en fait. Ludo, passe-moi ton tracteur. Et c'est lui qui a créé le premier tracteur à Rennes. Oui, j'ai entendu que l'était décédé, le petit 6 était décédé, je sais plus quoi. Ouais, donc c'était pour ça. Et c'est lui qui a créé le Renault à Rennes. D'accord, c'est bien. Ouais, je veux bien une médaille en chocolat. Je veux bien une médaille en chocolat pour ma... Tiens, Ludo. Pourquoi ça veut pas déplier, non. Merci. Voilà, donc tu vas faucher le champ numéro 13. Mais qu'est-ce qu'il fout? Ça veut pas couper la petite par contre. Hein. Ça se dit rien. Bah normal, si t'actives pas, si tu déploies rien, c'est normal, tu vas pas bien le. Non, mais justement, c'est ce que j'ai fait. Descends dans la moissonneuse. V. Attends, on va trouver. Mais donc, qu'est-ce que tu fais? Bah belle se trouve. Masse, je vois même pas, je tourne. Ah bah oui. On déplie, on fait. Quand est-ce qu'on va à l'abattoir? À la fin de l'épisode. Attends, parce que là il y a un petit. Est-ce que Titi, tu voudras qu'on ramasse l'herbe ou qu'on fait des bottes? On va ramasser. Problème de sang. Prêt pour la récolte? Il est censé être prêt. Le 11, je t'ai dit. Mais je suis au 11. Attends, descends de ta moissonneuse. Je suis descendu. Ah bah il est acheté, c'est bon. Ah bah il y a un ouvrier en plus dedans, attends, je vais... Ah bah t'es bon d'être dedans. Renvoie l'ouvrier que j'avais mis pour voir si ça marchait. Regarde. Mais même d'accord, pas si j'ai compris. C'est parce que tout simplement il neige. Alors descends ma moissonneuse. Ah il neige, bah oui, tu vas pas, donc, tu peux pas. Tu dois stocker. Non, on peut pas, non. Même quand il pleut. C'est vraiment de la merde. Même quand il pleut, hein, tu peux pas. Non, mais apparemment, il en fait, il neige pas, il grêle, en fait. Non, oh, Titi, bah, mais on s'en va, hein. Ben, ouais, laissez les tracteurs en plan, et moi, j'ai accéléré le temps. Je vais l'accélérer à x30, et puis on verra bien. S'en va. Du coup, la moissonneuse, tu la laisses où elle est? Comme ça, elle est déjà prête pour la... Ouais, déjà prête. Ça, j'arrive à sortir le matos. Bah, Tanguy, t'as qu'à venir m'aider, hein. Attends, ouais, je vais venir t'aider. Hop, on range la belle moissonneuse. Point d'honneur. Porte de vente, point de vente, bloqueur. Les sucrières. Les sucrières. Étraves, sucrières. Ah putain, je passe pas dans le champ comme ce matin, ça recommence. Je prends quel tracteur pour venir aider Ludovic? Un tracteur et un andeneur. Andeneur. Et où vous trouvez? Non mais j'ai tout là. Attends, le problème... Titi, non mais le problème c'est que j'arrive pas à sortir en fait. Attends Titi, descends. C'est bon, là, j'ai sorti, c'est bon. Attends, je vais t'épée. Allez, on y va, c'est parti, on le fait à la one again, hein, comme le... Bon, Tanguy, tu te démerdes, tu sors le tracteur. Allez, démerde-toi. Ok, descends ton truc et j'arrive. Bonne chance. Ah, merci. Ah, on aurait dit que ça fait des flashs. La neige a fait des flashs comme si on le prenait en photo. Mais je sais pas, ça c'est la sortie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Moi j'attends quelqu'un. Ouais, et pourquoi tu peux pas avoir une sortie plus petite comme moi? Sérieusement, Titi. Oh là là. Il va bien galérer là. Non, mais en passant un petit peu à la bourrinage, ça va passer. Voilà, ça passe. Oh putain, la cul, il a réussi à sortir. Il a réussi. Voilà, hein. Voilà, et après tu dis que t'en guéris. Du coup, Ludovic, t'es où? T'es au numéro 13? Oui. Ok. Je te rejoins de suite, mon coucou. Oh, oui. Je t'appelle Coucou Gaming. Ok. Il y a un bateau. Ah, il est dans le salon, hein, lui. Il coucou à lui. Il est marqué. Tanguy est dans l'actu. Il a marqué qu'il est nul. Bah oui, t'es dans l'actualité. Ah, bah au moins, je suis célèbre. Ah bah au moins t'es sûr d'être d'avoir le nombre de d'abonnés comme Trichel. Les amis avec cette bande de foufou. Ouais c'est ça, n'est-ce pas?
On voit bien à ce quoi tu penses. Je précise que c'est une vidéo, pas de délire, une vidéo comme ça en multi sur farming, et je me suis par contre planté. Titi va pas être content. Ah non, c'est bon, je suis déplanté. Il est tombé dans le fossé. Donc en gros, moi je participe un petit peu avec Titi à sa carrière sur la Belgique profonde. Mais vous, je vous propose qu'une vidéo, au lieu de vous en proposer 43, parce que je vais pas faire la même série que Titi est en train de faire. C'est totalement inutile. Non, et toi ça, je te engueulais parce que tu refais du plagiat. Bref, je me tais parce que je me parle trop. Ouais, mais tu commences à me gonfler, alors maintenant tu vas te taire parce que sinon ça va m'énerver. Et je me tais parce que je parle trop. Parce que sinon après on va gueuler que je parle trop. Parce qu'on m'a déjà, on m'a dit une fois, un message privé, Titi, c'est bien tes vidéos mais tu parles trop. Et t'attends pas le monde sur TSE. N'importe quoi l'autre. Tanguy l'autre jour il a dit tu fais des vidéos multijoueurs mais t'attends pas sur en solo, t'attends pas, tu roules en solo, on a l'impression. T'avais dit ça dans la vidéo bon sur ETS 2. Et t'as fait accueil, j'ai posé beaucoup de questions, n'est-ce pas Titi? Ah moi aussi hein. Il y a une belle vidéo, ça veut FAQ. Et mine de rien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme on répond pas. N'hésitez pas, vous êtes désabonné de Tanguy, hein, n'hésitez surtout pas. On rigole bien sûr. Hein. Oui, non mais moi je rigole pas. Mais moi je rigole pas. On fait pas sa pub en vidéo, dans deux vidéos. Même si... Déjà que celui qui a. Déjà qui hante ma vidéo, il a hanté ma vidéo. Il a hanté ta vidéo, n'importe quoi. Mais tu te ma gueule. Par contre, Ludovic, il a un problème. Ah oh, mais tu te démerdes, hein, moi j'ai réussi comment à rentrer. Pour rentrer dans le champ. Tu te démerdes. Et la Russie, tu te démerdes. Non, non, sérieusement, j'ai fait tout le tour. Il s'est pas rentré, il s'est pas rentré. Oh ah c'est sûr, il va péter un câble dans la Belgique. il y a des barrières partout. Ah là, il fait du sérieux Tanguy, hein, mais l'autre jour, dimanche, il m'a pas fait du sérieux, il m'a fait « Allez, viens ici, toi, tu vas voir. » Ah, il y a une barrière ici. Ah, mais, ah putain! Arrête de parler comme ça, pas de promo, n'est-ce pas? Non mais ça c'est... Merde! Titi, c'est légal ça. La sur la barrière. Légal de dire des gros mots. Merde, mais je suis dans la barrière mon coco. Bah tu dis de pas dire des gros mots et toi tu dis un gros mot. Bon, n'importe quoi. C'est pas parce que t'es modo hein. Modo de quoi sur un modo? Les modo ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi je suis modo, tu la fermes et moi tu m'écoutes, ok? Putain mais ça mais elles aiment pas la musique profonde. Elle est trop profonde. Bah t'as qu'à dire à Titi de mettre en 120, comme ça t'es sûr que tu pourras moissonner. Ouais mais j'arrive même pas à rentrer dans cette putain de champ là. Moi je réussis. J'arrive pas à y rentrer. Ah c'est bon, je suis rentré. Je fais quoi avec l'andenneur et tout le bordel? Bah tu andennes. Mais d'abord tu fanes. Hein. Ah oui, et tu en donnes. C'est lequel qui se déplie là? L'arrière. Voilà, on va prendre ça. Allez les amis, on va les curer pour une fois. On va curer? Bah oui, on va cirer. Hein. C'est bon. Par contre, il faut que je passe derrière toi, je présume, Ludovic. Ah mais je t'ai fait un champ, là je tourne en rond, donc c'est facile. Hein. Comme Galax il avait fait dans sa vidéo. Ah par mais contre, non. On va pas faire plagiat quand même hein. Et on plagiat Galax. Moi j'ai tout Galax. À l'heure j'ai essayé de copier comme les chants qu'on a fait avec Titi sur FS15, faire plagiat à ce que j'ai fait. Voilà, je lui demande des chants hein qu'on a ça fait. Ça s'appellera la chronique du fermier version 2. Non, version saison 3. 2. Par contre, saison ça 2. Quoi, ça sert à quoi Titi le truc qui est devant là? À faner, ça change la couleur et comme ça tu peux faire des bottes de paille. Le truc que j'ai devant, ça sert absolument à rien, ça marche pas. Eh ben ça se met à l'arrière, abruti. Bah normal, t'as pas appuyé sur B. T'as pas appuyé sur B. Et t'as pas baissé. Non mais ça se met à l'arrière, en principe. J'ai mis à l'avant pour pouvoir le transporter. Ah, mais c'est à l'avant. Aïe, sacré Tanguy. T'es pas dans le domaine agriculture, hein. Si tu me le dis pas, c'est pas le vider, mais putain, mais j'aime pas les barrières, mec. Elle est pourrie, justement. T'as des barrières. Ouais, elle est pourrie, je préfère largement Belgique profonde que The Alp, hein, parce que je me cassais la gueule, hein. Dans The Alp. Même en dehors de The Alp. Bah voilà. Là. Non, mais c'est bon, Tanguy, regarde, là. À côté, là, t'as fait changer la couleur. Donc c'est bon. T'appuies sur B et tu baisses.
Allez. Voilà. Putain, mais certaines barrières de merde. J'ai déjà trouvé le titre de la vidéo, on rase contre les barrières. Toujours Titi, d'ailleurs, il y a un bug, hein, on peut même pas marquer Titi dans parmi, n'importe quoi. Mais putain, mais t'es chiant, Ludovic. Mais quoi, je tourne en... T'es pas tourné. Regarde, tu... Ouais, là, tu viens sur moi, là. Bah ouais. Bah viens pas sur moi, tu vas me déranger dans ma coupe. Sur les jambes, hein. Oh là là, Titi, il est pas en train de faner là. Il est en train mais de en donner. Elles sont déjà fanées mes blagues en fait. Ah okay, oh là là. Qui se prend tout seul. Ah là là les amis. Par contre ça lag. Ah bah. Attends. Ah, je se sentais messement. Non mais je dis ça lag, ça n'est pas de la connexion. Ça lag. Allez, on recommence. Moi c'est qu'est-ce qu'il y a? Ça lag quoi? Ça lag. Ça lag. On le met en arrière, ça fait Galax. Ah ouais, Galax, ça lag. Ah ouais, tiens, il faut la sortir sur TS. Bah, il l'a déjà fait. C'est la même... Il le sait, lui. Puisque c'est la même blague. Par contre, je souhaite une bonne chance à celui qui va ramasser l'herbe. C'est moi. Et ça va être facile. Bah, zigzag pas, hein. Parce que ce matin... Ce matin, ça a été difficile pour ramasser les bottes de paille, hein. Mais ça en est mis plein, les bottes, hein. Allez, on tourne, tourne et la tête, tourne et le volant. Ça fait un moment que j'ai pas parlé, mais personne n'a remarqué quoi en fait. Mais c'est pas grave. Bah, t'avais un bug de micro sûrement. Non, tourne non. Et le volant, et tourne et le volant, et. Allez, on tourne. En fait, tu en promo, tellement rarement. C'est quoi la promo? La promo, quelle promo? Carrefour? Carrefour. Mais non, le Vador sale. J'optimise. J'optimisme. Bah, ça veut dire tu. Ah, ouais, okay. Et chez Optique. Mais une promotion crétin, c'est une promotion de, sur les matériels, sur le matériel. Les matériels, bien sûr. T'as eu ton brevet? Oui, je l'ai eu. Matériaux. Et ton bac? Pas encore. Je suis en train de le passer pour fond. Les matériaux. Et ça m'étonnerait que je l'aie, mais bon, on verra bien. Si tu l'auras, ça dépend quelle voiture. Si. Je suis confiant. Je crois en toi. Je crois en toi, ouais. Dis carrément que tu te fous de ma gueule, hein. Absolument pas. Non, bien sûr. Ouais. C'est rare que je me fous de la gueule des gens, moi. Ouais. Tu me prends pour un blaireau, là? Non. C'est bien ce que je pensais, tu me prends pour un blaireau. C'est dit non. Non, mais sérieux. C'est bien ça le truc, quand tu dis non, ça veut dire que tu te fous la gueule des gens. J'ai oublié de te poser une question dans la FAQ. C'est un bac quoi que tu passes? Ah, ça regarde personne, hein. C'est la vie privée. Ouais. Bagui veut tout savoir. Mais quand ton prénom tu dis que tu vas couper au montage, mais tu vas rien couper. Oui, j'ai déjà coupé des trucs au montage, hein. Autre que ma mère. Ah putain, je passe même pas. Comment on ferme ce truc? Mais ah bah voilà, j'aime pas ce son en fait. T'arrives pas toi aussi, t'as galéré pour entrer. Mais non, regarde, attends, hop, toi aussi t'as galéré pour entrer, Ludovic. Faut bien le prendre droit. On va le prendre droit. Non, j'ai pas galéré. Je suis rentré douche comme ça. Doucement. Regarde. Ça y est, je cure bien les gars là. Là, je cure un bordel. Et tu voilà. T'es le curé. Oh là là, les blagues. Courage. Alors c'est bon, t'as fini? Non. On plisse de merde. Mais moi, j'ai fini. Hein. Ah non, on n'a pas fini. Hein. On va ramasser maintenant. Oh putain, j'ai coincé ça chez les vaches. Merde, mais ça, c'est pourquoi ça se loupe pas, mais c'est... Ah, t'es en train de me dire que là c'est plié, non, t'es sérieux? Ah non, c'est en train de se plier. Oh là là, c'est chiant le winter mode là. Nanana. Et t'espères que tu vas mal dormir, n'est-ce pas, Titi? Oh, mais ta gueule! M'arrête deux minutes, hein, Titi! Je bloque la route. Ludovic, viens m'aider. Ah non, hein, tu te démerdes, hein, c'est ton véhicule. C'est chacun pour soi là. Par contre, là par contre, j'ai coincé mon véhicule dans un autre champ. Mais moi aussi, j'aime pas les barrières. Titi. Ludovic, j'ai pas vraiment besoin. Je suis passé à travers une barrière maintenant et je suis coincé dans un autre champ. Je peux même plus sortir. Il y a eu la sortie. Mec, je suis bloqué. Allez là. Je suis bloqué. Non, vous êtes sérieux, les gars, vous êtes même pas foutu de vous débloquer vous-même. Et si, ça y est, je me suis débloqué. Et voilà.
es-tu sorti? Titiche, ouais, dépose où les coupes? Les broyeurs. Broyeuses. On appelle ça des faucheuses. Ouais, moi je les appelle les broyeurs. Ah oh, putain. Bon, on a bien curé les gars. Par contre, problème, je bloque la route en fait. Mais c'est pas grave, il y a pas de trafic hein, regarde. Non, on peut plus rentrer. D'où tu vois ça? Attends. Ludovic, on peut plus rentrer dans le champ en fait. J'ai bloqué l'entrée parce que je me suis bloqué dans la barrière. Ah, est-ce que Ludovic, attends. Quand tu sors du champ, t'as une barrière en face. C'est pas ça Tanguy, là, on n'est pas dans ça. Non. La mine vodka. Ludovic, en face t'as une barrière et j'ai bloqué l'avant truc dans la barrière. Titi, je le vois là-bas. Mais ça, j'attends qu'il revienne ici là. On le voit curé. Oh le curé, ça va. Ah monsieur le curé. Il est où? Ah bah il est où? Bah il est encore à curé hein. Il est passé où? Oh, là. Il est en train de sonner les cloches. Ah je sais, il est parti au veau. Au passage, Titi. Elle est là. Titi, est-ce que je peux avoir plus d'informations sur le transport des veaux? Qu'est-ce que c'est devenu? Ah bah c'est ce que fait. Bah tiens, tu vas voir ce qui va arriver là. Mais ouais, toi. Mais je suis bloqué avec cette putain de remorque là. Titi, je mets où? Les coucheuses. Pourquoi il rigole l'autre? Qu'est-ce qui lui arrive? Il parle pas, puis d'un coup il rigole. Bon, bah pas grave. Vous avez pas vu que je vous faisais chier pendant un quart d'heure, mais bon. Mais non, mais je suis bloqué avec cette putain de barrière là de merde. Bon, si j'ai bien compris, il faut que je vienne t'aider quoi. Mais non, je l'ai laissé tout au milieu de la route. Non, tu te démerdes. Non, tu vas récupérer le matos. Titi, tu n'en voudras pas, mais bloqué. Je peux pas le trouver. Mais j'arrive à le débloquer, bouffon. Mais je peux pas le débloquer. Bon, Titi, quelle catastrophe, les amis. Voilà. Salut, Titi. Tu transportes les bois, là, ou pas? Oui. T'as réussi à les transporter? Comment t'as fait? Je sais pas, il y en a pas. Bah, si, tu fais I. On va aller voir. On va aller voir combien il y en a. On va aller voir. Il y en a. Que tu vas mal dormir et que tu vas beaucoup souffrir. Ah voilà. Alors des cochons prêts à battre 3. Il y en a 3. Donc faut attendre encore un peu hein, avant de les abattre. Ouais, avec la tronçonneuse tu les abats. Mais non, tu les emmènes à l'abattoir. Ils te le font automatique. T'as pas besoin de te faire chier. J'aurais bien aimé le faire avec la tronçonneuse. Ça sera peut-être dans le futur. Ça sera peut-être moi-même, dans. Mais tu prends une tronçonneuse, c'est bon, ton tronçon il est mort. Hein. Même pas au couteau. Hein. Tout ça. Bon, attention les amis, on va s'arrêter là. Ah, mais non, mais je suis bloqué, putain, mais t'es sérieux. Bah attends, j'ai pas fini. Mais j'ai pas fini. C'est quoi ça? Attends, on va aller voir, on va aller le voir parce que là, ils. Ah bah ils sont là-bas, là, cool. Regarde, on monte. Il y a un truc de l'autre côté qui est bloqué aussi. Hein. Détail. Eh, le bordel. Allez, vas-y, réinitialise tout ce bordel parce que là ça va pas. Non. Juste apprendre comment faire, abruti. Aïe, arrête de moi. Pourquoi tu me renifles le cul, Titi? Non mais ferme ta gueule. J'espère que tu vas mal dormir. Attends, je garde mon tracteur. Oh merde, il glisse. Il glisse. Ah putain, il glisse. Oh, tu peux pas sortir. Mais non, il glisse. Tu peux pas sortir. C'est pour rire les gars. Mais il peut pas sortir. Titi, t'attends pas un truc là? Il y en a un, il est pressé là. Allez. Il y en a un, il est pressé là, répète l'actionner. Tu vas mal dormir. Et tout à l'heure. Tout à l'heure avec Alex, il y a eu un bug parce que l'ouvrier il arrêtait pas de l'actionner à Alex. Ça me faisait rire. Il fonce. Allez c'est bon, j'ai réussi. Ah merde. Fallait à la sortie, le but c'était de la sortie. Bon allez, moi je rentre. Mais si tu réinitialises... Bah arrête non Ludovic, ne rentre pas, tu vas foutre le bordel. Mais non, regarde. Le titre de la vidéo, ça sera comment on sort. Comment on sort et comment on rentre. Comment on rentre, c'est carrière civile, banane, y a pas de titre. Non mais pour ma vidéo à moi, y a un titre. Merci mon dieu. Et voilà, regarde Titi, regarde, et regarde, voilà, je suis en trop de mal. Titi, vas-y, sors, tu peux y aller. Attends, cette merde là, je vais la pousser.
Faut que tu le prennes bien droit, hein. Ah putain, Tanguy, t'es chiant, tu fais zigzaguer là. C'est vrai, pas du tout, hein. Bah regarde le champ, tu veux me faire sacrifier la vie. Lève-toi, Tanguy. Allez, B. Lève-toi. Ouais, ah merde, attends, je me casse. Attends, tourne par là. Tu vois, c'est pas possible de sortir. Tu vois que c'est impossible. Mais si, c'est possible. Mais non. Regarde, je te montrerai que je peux sortir avec ça, moi. Mais non, mais avec ta remorque, pas avec mon, avec ma merde. En plus, sortir avec le truc à l'avant, c'est totalement impossible. Faut pousser vers la gauche. Attends, attends. Je sais ce qu'on va faire, Titi. Regarde, Titi, regarde ce qu'on va faire. Vas-y, avance. Attends, non, 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 fais rien. Merde, désolé, mais non. Fallait pas t'étonner. Vas-y, vas-y, c'est bon, on y est bientôt. Voilà. Voilà. Là, c'est bon. Ouais, c'est pas vraiment réaliste, hein. C'est pas vraiment réaliste, hein. Et on a un problème. Ouais, tu vas faire ça dans la vie. Attends, on va faire un constat maintenant, hein. On va aller à la Massif, attends, hein. On va aller à la Massif, hein. On va aller voir... Ouais, Massif. Nos pubs, s'il vous plaît. Par contre, le truc qui est au milieu du champ, je l'enlève. Dans la barrière, je peux pas l'enlever, hein. Les autres côtés. Allez, punaise. Allez, je ramène ça à la ferme. Non, mais tu le remets là où il était, c'est-à-dire là où il était bloqué. Il était bloqué où? Tu t'en souviens pas? Au petit chemin. Ah ouais, je le remets au petit chemin, d'accord. Tu le remets là-bas. Exactement comme il était bloqué. Non. Non, tu le rentres dans le petit chemin, tu rentres le petit chemin et t'as le champ, tu le mets dans le champ. D'accord, par contre, je garde le tracteur. Oui. Tiens, je galère. C'est la sortie. C'est la sortie. La punaise. T'es mal, les belges, tu m'as... Arrête, t'es loupé la sortie. Aïe, Bon, moi, je grille en même temps, hein. Tant que j'en profite. Ouais, ah, la priorité, toi, la priorité. Tu manges quoi sur le grill? Au revoir, du con. Du pont. Du pont teignant, n'est-ce pas? Notre bizarre remorque de merde, là, il sait même pas toi. Alors, là, il y a un petit truc de... Ah, il fait soleil. Attends. Ah, punaise. Tanguy, tu peux renvoyer l'ouvrier, tu peux mettre l'ouvrier. Attends, quoi? Attends, je vais attendre encore un peu, je pense. Non, non, c'est bon. Il est garé. Il est très bien garé. Attends, merde, attends, je vais garer ça comme il faut. Bon, les amis, on va s'arrêter là. Allez, merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode. De rien. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Allez, merci à tous. Ciao tout le monde. Ciao. Yo tout le monde.